soutient l'Université du Bonheur au Travail parce que c'est une très belle idée. D'abord, je pense que ça va contribuer à ce que les dirigeants, les décideurs prennent conscience que le fait de vouloir que les salariés soient un peu plus heureux, c'est une bonne idée. D'abord sur un plan humain, plus il y a de gens heureux, plus la vie sera belle pour tout le monde, hein, le bonheur est contagieux. Et puis évidemment, c'est une bonne idée aussi pour les performances de l'entreprise. C'est quand même un second aspect qui est aussi important de prendre en compte, puisqu'on a de plus en plus de données scientifiques aujourd'hui montrant que le bien-être des salariés est directement, linéairement corrélé aux performances que l'entreprise peut obtenir sur le long terme. J'ai compris aussi à titre personnel que rendre les gens plus heureux, les aider, leur apporter écoute, attention, affection, était quelque chose d'important pour que la société marche bien. Mais surtout, moi, j'ai la chance d'être médecin et d'être un médecin psychiatre qui travaille sur la question de la prévention, comment aider les gens à ne pas tomber ou retomber malade. Et à ce titre, évidemment, leur ouvrir les yeux sur l'importance de la recherche du bonheur, sur l'importance des efforts à accomplir pour être un peu plus heureux qu'ils ne le seraient spontanément, sans rien faire.